Depuis un an et demi, on vit avec le Covid. Et, et donc oui, évidemment, ça, ça a modifié considérablement la manière de faire campagne. Mais aujourd'hui, je crois que les Français et les Françaises sortent de cette période, sortent d'ailleurs abîmés hein, de cette période, parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui sont en difficulté, que ce soit économique, sociale ou même psychologique, parce qu'on on a tous souffert de cette période-là. Et donc, on a aussi envie de construire quelque chose de nouveau. Et, et finalement, c'est ça qui va être aussi un peu enthousiasmant dans la période qui arrive, c'est quel est notre monde post-Covid, c'est maintenant qu'il commence à se construire et ça peut aussi donner un élan tout à fait considérable pour cette présidentielle. Je, je signale, je, je, je parlais de la, la primaire euh, des écologistes, qu'on euh, a vu souvent les outsiders l'emporter. Vous êtes outsiders dans cette, dans cette primaire, alors comment est-ce que vous sentez les choses Déjà, moi, je ne suis pas complètement sûre d'être euh, outsider, mais si vous me considérez comme outsider, parce qu'en fait, c'est les personnes qui sont considérées comme outsider qui gagnent, eh bien, allons-y et, et rendez-vous pour la présidentielle avec, euh, avec grand, plaisir, avec grand ouais. plaisir. Et on portera, euh, un, un, je porterai en tous les cas euh, des, une, un discours différent et une manière de faire de la politique très différente aussi. C'est-à-dire ah ben une, un discours sur, les, sur, nos, sur nos valeurs, comme je viens de le faire sur l'Afghanistan. Enfin, Je crois que là, on a vraiment perdu la boussole de, de, de ce que l'on porte, de ce que l'on est. Et donc, reconstruisons un monde et puis surtout une forme de, de radicalité écologique parce qu'on a vu pendant tout l'été l'ensemble des catastrophes qui se sont accumulées, qui se sont multipliées dans l'ensemble des pays. On voit qu'il nous faut vraiment agir rapidement. Et donc, je vous proposerai un ensemble de mesures importantes pour qu'en cinq ans, nous changions de trajectoire.